qui a son gros dossier. Ok? Eh! Monsieur, la police, dans le moment où on a parlé là, il faut que je dise que les policiers qui étaient dans l'opération pour bouler le barbecue, ils ont tout pas de promotion et puis ils ont et comment ils ont fait ça? Prime de risque. Ça a barré, reprenez encore. Police qui t'a l'opération boule kay barbecue a yo tout pas pour promotion et puis on va bailler au prime de risque. Dernière information. Tout policier qui t'a l'opération boule la kay barbecue a. Vous songez les deux policiers de Moulin Bas? Ouais. Tout policier qui t'a l'opération boule kay barbecue a yo va bailler au promotion et puis on va bailler au prime de risque. Alors mon c'est des images tout côté la côté il y a des policiers qui chita avec zam nan main comme si t'a dou yo ta bout nan bataille là bien entendu la police pas communiquer et semaine ça même et image ça yo montrer et bah là alors goumé en raid en bas nan Delma José Lexido information pi raid information. La police fait renforcer par des experts. La police fait renforcer par des experts. Non seulement ça. Est-ce que vous connaissez que, quand on est dans tout, quel blindé, Jovenel Moïse a acheté l'autre jour là, peut-être 2 millions coûté en total. Quel blindé a coûté 2 millions de dollars en total. Là, je dis que ça. Comment blindé? Comment 15 blindés qui a fait coûter 2 millions de dollars? Il va y blindé même. Mes amis. Jean-Joseph va y blindé même. Parce que 15 blindés qui a fait coûter 2 millions de dollars. D'ailleurs, où t'es résultat, le premier test, tu te prends, première frappe, tu te prends. Le premier pote bourré. Ouais, le premier pote bourré, où t'es résultat. Est-ce que là, comment 15 blindés qui a fait coûter 2 millions de dollars? Il va y blindé même. Pas de blindé. Et ne t'es pas allé de Saloukou ici, comment faire des matériels pour la police? Ce n'est pas des experts de la PNH qui achètent ou du moins conseillent ou du moins fait acquisition. C'est des civils, le palais national qui eux-mêmes fait. Et c'est pour le palais national et le président Jovenel Moïse est mal conseillé dans la question de blindé ça. Parce que comme la fête de bien l'air, tout le monde connaît l'histoire là, c'est ça déjà. Ouais. Ok? L'argent blindé, 15 blindé, tout le monde connaît l'histoire là, c'est ça déjà. Information pour la rapide, c'est de nos messieurs, qui est 11 dizaines de blindé qui a sorti Montréal dans le cabinet. Bon dizaine de blindés qui a sorti Montréal. C'est quoi ça, un bon bagaille? Dernier niveau. Blindé pour la guerre. Bon bagaille. Avec support américain, mon frère. Bon là. Bon bagaille. Attendez. Quand votre là par avion. Ah, bon bagaille. Donc ça veut dire José. Mes amis, madame, monsieur, vous m'avez débat, c'est m'avez débat, vous entendez. Parce que c'est nous qui avons vérité. Pour patience. Ok, j'aime te dire le matin et pas pendant ce maintenant. Donc il faut nous faire un petit sacrifice. Ok? Parce que avec renforcement la police ça a tenu là qu'on y a là. Ils vont marcher sur Iso, ils vont marcher sur Granville, et ils vont marcher sur 4 Marozo, ils vont marcher sur toutes les gangs qui sont battus dans la capitale. En tout cas, il n'est que d'attendre que les populations vraiment des locaux et pas capables encore. Et ils ont à bout de souffle parce que écoutez, il y a des gens qui sont là rien chaque jour à manger. Et si bataille la fête, j'en dis, on m'a dit, prenez patience. Et puis bataille la fête, on libère le pays de Mounsao, vraiment qui empêche mon vivre dans le pays. Loco. Et j'en dis à le Kitop, et bien maintenant, tout si vous conseillez ma bain avec le national, monsieur Guinantou, avec le président Jovenel Moïse, faut qu'il campe soit fait avec courant, soit fait avec route. Oui. Priorité à la sécurité. Ok, reste tranquillité pour le président Jovenel Moïse là. Faire baisser les défis, question de sécurité. Oui, ça c'est son priorité. Attendez, faire baisser les défis, mon bon matin. Combien de pieds d'appui en matin? Que peut-être pas qu'il commette son courant, commette son route, il va vivre? Il va mourir pour ça, ouais. Il va mourir, mais insécurité, même s'il vient ou même s'il vient pour moi, comment la faire marcher? Non, pas qu'il pique au conseil, non, t'es capable là, Loukou, parce que là, parce que dans le moment là, et pas courant, on préfère que nous restions dans le blackout, tu habites avec elle. Et pour voilà. Les gens qui ont été sans courant, vrai, j'en dis, parce qu'ils habitent avec eux, pas mourir, au lieu qu'ils aient perdu la vie, et chaque jour, on va couper ça, m'a dit. Donc, faut-il qu'on fasse sous wagon, sous question propagande, et route, qu'on va faire sous une gaffe, faut-il qu'on fasse sous une gaffe, faut-il qu'on fasse sous une gaffe, faut-il qu'on fasse sous une gaffe, j'en dis, il y a peut-être un défi, question insécurité. Donc, si je me l'ai dit, qui tombe à l'obéir, Loukou,
Oui. Et gen yon bagay ou di la, m'ta men fon ti bak sou li pou nou lese konprann ni. Entre entre ancien et moun ki te nan secteur privé avec petit ayo, petit nouveau yo. Et d'abord ou même politique ancien nèg secteur privé ou t'a fait. Est-ce que ti moun yo wè politique ça kont payan yo même yo ta remen fait on l'autre politique. Est-ce que côté contradiction est là? C'est parce que c'est parce que ça permet dans tout. Qui n'est dans le secteur privé? Pas même mal avec lui. Mal avec eux donc de temps en temps. Dans le secteur privé, il y a deux classes, il y a deux groupes. OK? Il y a quatre catégories dans le secteur privé. OK, le secteur privé des affaires. Il y a quatre groupes, il y a quatre catégories. Une catégorie, c'est des conservateurs. OK? Qui est la République du Valier et puis qui là, on a c'est des conservateurs. OK? Qui ont l'autre catégorie, ça c'est la deuxième catégorie, qui c'est des progressistes. Conservateur, lui-même, il va le pays à changer lui-même. Voilà? Oui. Mais comme dans le même privilège de sous du Valier, pour le Dougain, qui a fait parler, le pays à changer. Changement pas pour lui. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Nouveau monde vit dans le business. Il est confortable à lui. Il n'est pas d'accord. Dans ce secteur privé, il y a des conservateurs. Conservateur, lui-même, il va faire pays avant, ça c'est à faire intérêt. À faire intérêt famille, à faire intérêt groupe, à faire intérêt classe. Et puis il y a des progressistes. Des progressistes sont appelés des nègres qui font business dans le secteur privé. Ils ont ouvert business là. Ils ont invité leur petit nègre classe noire dans le business. Pourquoi un nègre ça autour qu'on a discours, les progressistes du secteur privé. Est-ce que là? Ok. On prend tout nègre ça autour, bon équipe et marchandage, je parle de neuf, il y a un groupe à faire de la montée des zones. Les progressistes vont faire avec un GPI. Ok? Donc on dit les progressistes du secteur privé, ils ont mis le pays à changer. Et il y a un gouvernement ville là-dedans pour faire attacher, malheureusement, jusqu'à présent, pour capable de résultats. Troisième catégorie, c'est les anciens, en fait, côté du conservateur et tout, les anciens, en fait, l'ancienne génération, est-ce que là? Et puis quatrième catégorie, c'est la nouvelle génération. Est-ce que là? Mais la nouvelle génération, il n'y a pas de au même genre avec ancienne génération. Et nouvelle génération, toujours dit, il n'y a pas oublié, les pifres peuple à tout. Parce qu'il n'y a pas oublié. Ancienne génération, même maintenant, il y en a d'autres qui partent même de faire l'école en Haïti. Ouais. L'ancienne génération. Ça, c'est clair. C'est là, au sorti, côté au sorti, ils viennent là, et puis ils vivent, ils installent. Mais la nouvelle génération, ils étaient Saint-Louis, ils étaient lycée français, ils étaient dans l'école à terre là, avec Tineg. Est-ce que là? Ils ont plus imprégné au nom de terre. Donc, ils ont plus préparé tout que l'ancienne génération. Donc, nouvelle génération, eux-mêmes, aujourd'hui, ils ont essayé de garder tête face à pays. Et quand pile bagaille que l'ancienne génération te fait, on voit que les nègres de la nouvelle génération, c'est le privé qui n'est pas d'accord avec eux. Et il y en a de eux, c'est à faire question d'amener. Parce que dans la nouvelle génération, quand pile qui connaît tout que c'est des nègres de l'ancienne génération qui baillent les âmes dans le pays, qui distribuent les âmes dans le pays. Ok. Ok. Et la nouvelle génération, qu'on y a la plaie, parce que le business a crasé. Par exemple, le business a crasé et il n'y a pas d'avoir politique. Est-ce que là? Mais comme c'est pur business qu'il a fait eux-mêmes. Il y a même fait affaire pour le business. Yeah. Maintenant, comme grand-père parle de la politique, et grand-mère parle de la politique, papa parle de la politique, on a vu ça. Et pour ça, peut-être que l'ancienne génération de contre. Et bon, où qu'on est que gagné, Titoni, c'est Vob. Oui. Et après que le gouvernement t'es fait guerre avec Dimitri, mettez-le dehors, et Titoni t'es venu parti. Est-ce que Titoni t'a quitté le pays en tout? Bah, je me connais qu'il est retourné. Mais ça passe, il y a gardé que Barbecue t'a gon révolte contre Dimitri et Titoni ses cousins et t'a capté Dimitri. Et il n'est pas clair, selon le monde qui fait analyse, c'est même bataille, c'est contre la famille Vob. Est-ce que d'après vous, même vous jeune sur ça tout? Dans le dossier Titoni, il faut que nous que Titoni, c'est avant l'IT Vob. Attendez, avant Titoni, l'IT Vob, l'IT PHTK, l'IT Matéli. OK? L'IT Matéli. L'IT n'a pas de PHTK, mais l'IT Matéli. OK? Yeah. Et Titoni, candidat à la présidence, c'était sous garantie présidentielle Matéli. Ah bon? Maintenant, c'est Wilson là, lui-même, qui a fait interview. Où est Titoni et Dozeni? Et Kaouli,
Kaouli, Titoni et Dozeni, Kaouli, ils ont tous été candidats à la présidence. Même équipe là. C'est de mes partis, même équipe là. L'équipe de Martelly. Maintenant, oui, ils sont là, Loli même. Celui qui a fait audition, il a fait interview à Negio. Comme nous sommes et notre sur le marron qui bon, mais il y a certaines relations avec Jovenel Moïse. Et que Jovenel tout, ou capable, Jovenel tout, et intellectuellement et techniquement, ok, t'es plus bien préparé que Negio. On a tout le monde tombé dans l'interview. Est-ce que là? Maintenant, Titoni vient voir parce que Titoni, c'est un ami Dimitri. Je dis là, c'est pour Dimitri. Donc, la question business. Mais magasin Titoni qui barbecue en raille, politiquement, il veut dire magasin. Parce que, au moins, il a regardé, il a dit que je dis à ce pouvoir qui veut écraser magasin Titoni parce que Titoni a un rapport avec Dimitri Vob. Oui, parce que toi, comme on est d'accord, c'est pas des choukages, ça, c'est des vols. Mais parallèlement, ça, madame, monsieur, vous n'en avez pas de débat. C'est lui qui a parlé là. Parce que le jeune papa, le vétéran, il s'en va quitter le FML. Il te dit ça. Ok? Maintenant, politiquement, des choukages, magasin Titoni, il vient paraître, mon cap analyse de tout, il est clair. Parce que c'est pas que je dis, mes amis, ma petite magasin, est-ce que nous connaissons que je dis à faire pas ici, très intelligent? Il y a des gens qui ont fait politique, pour eux-mêmes, ils ont 86. Aussi, n'importe qui parle de la guerre dans les peuples, ils ne peuvent pas prendre. Non, c'est pas même époque là. C'est pas même époque là, monsieur. Comme si Yoni Kampena a joué au Maga et puis après ça, en bas, il y a le négociateur en bataille. Nos peuples là qu'on est. Est-ce que là? Maintenant, des choukages, magasin Titoni, tout le monde clair, ça a fait l'équipe politique, ça a fait l'analyse politique. Livine Barrett, que c'est Jovenel Moïse qui veut écraser le magasin. En pour plus, question Vob. Alors, il y a une question qui t'a parlé, et puis bon, Anthony oui, était contre la manifestation contre. Oui, pour question, Dimitri Vob, et que les Tizoni étaient contre les financer les manifestations, bah, comme ça. Ok? Mais bien maintenant, tout parallèlement, tout, parole qui vient de la question de Souka Magazine Titoni, il y a une question que Titoni, en faillite, il y a une dette à gauche et à droite, donc magazine de Souka, juste pour assurer ce qu'il y a, il n'y a pas de est-ce que vous comprenez? C'est bon ça tout. Là, je dis que c'est nous-mêmes qui vous connaissons. Comment on a fait jugement, ou même capteur d'émission à ce débat, pour qu'on compte au commun, non, c'est la gueule. Vérité, là, il y a quand même, il y a un jour, ou bien l'autre. Ah oui, ah oui. Ok? Pays, il n'y a pas plus de temps. Oui, il y a un jour, ou bien l'autre. Maintenant, pour qui ça je dis, la question que nous devons se poser, madame, monsieur. Pour qui ça je dis, Américains supporté le président Jovenel Moïse. Il y a un courant. Que gagne des nègres du secteur privé qui financent gang, que des nègres du secteur privé qui bail gang, zam, que des nègres du secteur privé qui n'ont trafic zam, le trafic munitions. Vous êtes au courant? Maintenant, la question aujourd'hui, qu'on doit poser cette aujourd'hui, pour les Américains pas intervenu. Ouais, directement non. Dit bon, voilà. Mais le signal doit venir d'Haïti. Ma bonne exemple qui clair. Eh bien, madame, monsieur, vous n'avez pas un débat. Le cas du dossier de Dimitri Vop. Pour qui ça d'abord même, Dimitri va extrader là en Haïti là. Et Jovenel Moïse, il va être défi ça pour Dimitri Vop, une question de la justice là, il va dire. Qui s'est passé? Ah les bon? Haïtiens font action. Ils font action contre Dimitri. Il dit ben, mon monde m'a cherché, mon nom la caillou. Qui sont les Américains fait? Les Américains va arrêter Dimitri Vop. Sous base. La justice haïtienne qui a cherché. Non. Quand tu avances sur le dégât avec lui-même. Comme Américain était permis dans toute l'affaire politique avec Haïti, comme Dimitri était contre dossier immigration qui pas clair, il va profiter de même chez nous en prison pour y jouer sous dossier immigration. Yeah. Est-ce qu'on a? Ouais. Il est dans la prison pour y jouer sous dossier immigration et puis il se dit, monsieur, ah, tu vois que sous bas de là, on va descendre Haïti. Mais alors, parallèlement, il doit profiter de ce côté autonome. Côté ordonnance sous dossier Dimitri, l'imam sorti non? Qui juge qui a baillé dans le pays là? Et depuis ordonnance sorti, qu'on a l'État, il ne s'est pas réagi, et puis Américain ne va pas réagir tout. C'est pour montrer, madame, monsieur, c'est ça n'a pas lié à José Lexido. Blanc bagaille la vie de vous là. Non, rien. Tout nègre, tout. Ah, tu vas dire là tout, tu veux que je vienne. On va être parlé, coup clair. Tout nègre, tout nègre. Hier matin, j'ai dit dans le débat. Tout nègre blanc agit sur eux directement en Haïti. Attendez bien, suivez-moi, regarde. Tout nègre blanc que américain prend décision contre eux en Haïti,
sous des ordres ou bien sous implication dans la question politique en pays, c'est parce que tout simplement c'est américain. Ouais. Il n'y a pas d'appétit de paille. Il n'y a pas d'appétit de paille. Comprenez bien? Mais on est qui pas américain. Les États-Unis ne peuvent pas agir avant sans l'autorisation, sans la permission de l'État haïtien. Non, mais parce que son pays a l'ordre lié. Son pays a l'ordre lié. Il n'a pas été venu n'importe comment. Depuis où il est venu, ou rencontré avant son avec eux personnellement. Exactement.